La présence de Dieu, c'est la louange. Quand Dieu est glorifié, loué, il déploie l'onction. Je vous ai dit d'avoir tenu tous debout. Nous allons lui présenter ce programme. Qu'il soit l'alpha et l'oméga. Jésus dit, sans lui, ne pouvons rien. Il a glorifié ce programme. Il faut faire selon lui sa volonté. Oui, lui, selon lui, ça va. Moi, j'accorde l'important. Prions le Seigneur. Nous te prions et nous te voulons te glorifier. Notre Dieu et notre roi. C'est qu'en voulu, notre Dieu, que ce programme ait lieu. Nous voulons, n'est-ce pas, te confier ce programme. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Dieu, viens et règne. Prends le contrôle de ta chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qu'on voulait s'élever contre ce programme retombe ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous plongeons ce programme dans le sang de l'agneau. Nous proclamons ta Seigneurie, notre Dieu. Merci de te manifester et merci d'agir pleinement. Je m'abandonne en tes mains, Jésus. Utilise-moi afin d'accomplir ta volonté dans ce village et dans la vie de chacun d'entre nous. Nous comptons sur toi, parce que c'est toi le salut. Il n'y a que toi seul, tu as le chemin, la vérité et la vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Venez vous asseoir. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. C'est la campagne. Je suis le prophète Joël Crasso. Amen, le prophète Joël Crasso. Tout mon nom à l'état civil, c'est Crasso. Vous voyez, la guinée avec vous. Doro Joël Shalom. Doro Joël Shalom. Tout mon nom à l'état civil. Qu'est-ce qu'il est? Vous m'avez adressé une lettre d'invitation. Ami, là, ami. En tant que prophète de l'Éternel. Non, en agamant les prophètes, c'est ça. C'est à Jésus que vous avez adressé. J'écris, moi, Agne, mes frères, alors. Comme tu utilises des hommes, des humains. Il a compris encore, mais non, non. Il a simplement te servi de quoi. Encore, mais même plus. Encore, c'est qu'il est à faire. Encore, je vais, non, amen, non, non. Sinon, c'est à lui. Mais moi, il doit revenir la gloire. Moi, le pape, moi, c'est Jésus. Jésus dit, moi. Amen. Amen. Je suis le responsable d'un ministère qu'on appelle le ministère de la compassion de l'État. Mais le même nom, moi, les coups pognon. C'est là que j'ai dit souvent aux gens, je suis le prophète de Brousse. Non, mais à quoi un prophète de l'État? Je suis dans la Brousse en train d'évangile. Moi, même un prophète de l'agonie. Parce que nos parents ont besoin de l'évangile. Jésus ne faisait pas qu'il prêchait dans les villages. Jésus dit, oh, prends, qu'est-ce que tu dans les villages. Mon père dit, putain, à quoi un prophète de l'État? Oui. La bonne nouvelle doit annoncer partout. Et moi je me déclare comme prophète de village. Il faut amener ces personnes à connaître. Si nos parents ont Jésus-Christ, mais ce sont partout, on n'annonce pas l'évangile. Ils resteront dans l'air. Donc mon ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Je suis le guide spirituel de la Confédération africaine. Allez. Et les coups pognon. Contre la délinquance et les crises. Et le responsable du centre de prière pénière de Zara. Le pénière, elle est coup pognon, cadeau. Nous sommes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se posent des questions, il faut quoi dans le village. Amen. Amen. Et ça recouvre devenir lieu de pèlerinage. Je viens de prendre une dame qui arrivait de Londres. Les personnes qui ont décidé de nous aider. J'étais à Abidjan. Ces personnes sont entrées. Amen. Amen.
Et la gloire revient à Jésus. Amen. Mon ministère, c'est le ministère des prophètes. C'est un ministère qui est méconnu. Je vais expliquer. Selon les données bibliques. Avant de toucher mon ministère, je vais vous rendre mon témoignage. Parce qu'on parle trop. D'autres personnes plus prophètes ni crasso. Certaines personnes parlent. Et ils y rencontrent des gens. Moi j'aime bien ça. Est-ce que je suis là, Dieu sait quoi le montrer. Je m'en fous de ce que les gens disent. Mais le témoignage. Maintenant, la prophète Grasso, vous voyez. Il n'a jamais pensé à un instant qu'il devait être chrétien. Jamais. Parce qu'il est né dans une famille musulmane. Ma mère est peu malienne qui est malienne. Mon papa est pété de lui. Donc, je n'ai jamais pensé un jour être chrétien. La plus forte raison, le chanteur de l'évangile. Ça ne fait jamais penser. Et jamais en rêve. Si je voyais ça en rêve, j'allais attaquer même. Mon père, c'est la première personne dans la gauche de laquelle j'ai attendu la sorcellerie. Vous murmurez, vous parlez. Ah, J'ai dit aux gens, à quoi c'est mauvais quand quelqu'un attaque la société? Les blancs eux-mêmes, qui est civilisé? Du Donc c'est pour dire, nous soyons des sorciers. Dans mon équipe ici, il y a des sorciers. Je m'occupe même des personnes exorcistes. La sorcière est une maladie. Mais c'est un démon. Quand j'ai entendu les sorciers parler, on m'a initié. Ils sont rentrés dans un machin. Une histoire où tuer, manger. Donc si nous rencontrons un sorcier, nous le débarrassons. Parce que la sorcellerie était dangereuse. La sorcellerie est dangereuse. Et le sorcier, quand on a la sorcellerie, c'est un danger pour soi-même. Pourquoi? Parce que le jour, on ne va plus donner la chair humaine. Ils vont te réclamer. Un danger pour sa famille. Il va détruire toute ta famille. Un danger pour sa famille. Un danger pour la région. Un danger pour la nation. Parce que la définition de la sorcellerie, c'est lanceur de sorts. Il n'y a pas d'autre définition. Donc il n'y a pas de sorcellerie. Je suis sorcier, mais moi, c'est bon. Amen. Donc si quelqu'un a sorcellerie, il faut l'aider à se débarrasser. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Les blancs ont combattu la sorcellerie. Regardez le combat qui a mené la sorcellerie. Ceux qui sont sur l'internet, allez voir les chrétiens. Ils ont combattu pendant 3 siècles. Et le combat était farouche parce qu'il brûlait les mains. Aujourd'hui, pas les droits de l'homme. Il a tué, c'est son seul. Le premier, le
est sorcier. On est brûlé au bûcher. Voici un homme qui attache un arbre. Tout du bas du corps. Sous les sangs, vous brûlez. On a pris la France, on débarrasse la France. On prend l'Allemagne. C'est que on peut débarrasser l'homme. C'est pratique. Ils sont rentrés dans le 18e siècle. Il parle pas de siècle lunaire. La grâce de l'Union, c'est qu'il y a un siècle des ténèbres. C'est le pire hier. Il parle des siècles des ténèbres. Qu'est-ce que les gens du peuple comprennent? Allez voir nous, j'arrête de l'Union. Ils sont combattus. Voilà, quoi que. La sorcellerie. Vous regardez plus. On veut tout. C'est tout. Mais bon. Les gens ont des choix. Ouais, allez, oui. Et quand vous regardez le fil, la caméra est maintenue. Ils croient plus la chose que nous. Moi, j'ai été la paix, vous. Les fruits que les gens ont tirés. Ah, mais attaquez. Mais la sorcellerie est une réalité. La sorcellerie existe. Et c'est le mal de l'Afrique. Les mots, les corps, les hommes, derrière les matériaux. Et c'est ce qui fait que nos cas ne sont plus dans les mêmes. Mais les corps, les hommes, les dix, derrière le combat. Ils ont peur. Mais on dirait quoi? De quoi demander? Il y a quoi? À qui ils ont eu un coup, écoute. C'est tout. Mais bon. Et quand les cas ne vont plus dans les mêmes. Les hommes, ils ont plus les corps, ils n'ont pas plus se développer. Non, mais pourquoi? Parce que c'est pas l'État qui va réagir. Mais pourquoi il y a un cas? C'est chacun d'entre nous. Ah, il y a un problème. Moi, l'État. Moi, les cours de la carrière, les gens ont peur. Mais on demande. Parce que les gens, l'État, les gens n'ont pas les moyens. Il est en train de faire comme ça. Mais on demande. Parce que le sorcier, il attaque les bonnes choses. On t'aide. Amen. Amen. Il mange les bonnes choses. On lui aide. Nous, on les appelle les anti-développements. Alors, on est en train de voir. Quand tu vas commencer à réaliser, tu vas t'attaquer. Et vous allez encore. Donc, pour nous, c'est une manière d'aider même l'État, même la nation, à se développer. C'est le moyen spirituel. Il y a deux mots qui caractérisent le monde. Ce qu'on appelle le monde spirituel. Le monde visible. Le monde, ce monde-là. Un autre monde qui dépend. Le monde spirituel. C'est ça que Jésus a dit. Dans Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir. D'abord, le ciel est sur la terre. Il a reçu le pouvoir des cieux. Il dit, je vous envoie. Amen. Amen. Donc c'est ça la spiritualité. Mais le spirituel est fermé. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 16, verset 17. Il dit, tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Les cieux sur le monde spirituel. Tout ce que vous liez sera lié. J'ai dit, c'est la plus grande des puissances. Le pouvoir de lier les déliés.